Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, en ce jour du 14 mai 2196, le réchauffement planétaire atteint des sommets records. Le peu de glace qui reste sur le globe semble être définitivement condamné. Tout le pays va être inondé. Hé hey, papa, ça veut dire qu'on va tous mourir? Pratiquement toute la France est envahie par les eaux. Oh, c'est vrai que c'est inquiétant. Ne vous en faites pas les enfants. On s'en sortira. Seules les zones montagneuses représentées en noir sur la carte sont encore habitables. Oh là là, on est mal! Nous vous conseillons vivement de vous réfugier en hauteur. De toute façon, Paris c'est fini. Complètement foutu. Notre envoyé spécial est dans le Vercors, l'une des seules zones encore abordables. Oh papa, il parle du Vercors. Les réfugiés s'agglutinent sur le Grand Gamon, le Mont Aiguille et le Pic Saint-Michel. Elles sont belles les voitures, maintenant qu'elles sont sous l'eau. Si on était moins égoïste, on n'en serait pas arrivé là. Sur toute la crête des Gros, rochers de l'ours. Les habitants du Vercors sont préoccupés, mais font preuve d'un grand courage. Et surtout, d'une grande solidarité envers les réfugiés. Écoutez ce témoignage poignant de cette grand-mère. Nous nous battons et nous nous battrons jusqu'au bout. Et papa, viens voir. Il y a mamie à la télé. Que tout le monde ait sa chance de survivre. Tu vas voir, terrible intempérie. Par le passé, on a tellement gaspillé. On n'a pas su partager des richesses. On a fait n'importe quoi. Et maintenant, c'est main dans la main qu'il faut agir. Je pense tous les jours à mes petits enfants coincés à Paris. Quand elle saura qu'on est mort. Arrête de dire des bêtises, Julie. Il n'est jamais trop tard pour se serrer les coudes. On va construire un bateau avec les voisins. Ouais, youpi! Et il y aura Margot aussi? Bien sûr, et aussi Sandrine. Mais on va aller où? Eh bien, on va dans le Vercors pour trouver mamie. Mamie, mamie, mamie! Ouais, mamie, youpi! Salut Marco! Salut petit Paul, ça va? Chic! Et on dit Sandrine! Coucou Julie, je suis contente de te voir. Prête à travailler? C'est bien, je vois que les troupes sont motivées. Bon, allez, on se met au boulot. Ouais! Génial! Ça va, Paul? Ouais, j'ai fait un cauchemar. Bon, viens, descends, mamie, elle nous a préparé un chocolat chaud. Elle va bien? Bah oui.